Et salut les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog itisand3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Dragon Quest Builders sur PlayStation 4. Je rappelle, une console qui m'a été offerte par Celt. Donc encore une fois, grand merci à toi, grand merci à elle. On va retourner par là, dans ce monde-ci, retraverser le portail afin d'essayer d'aller voir si on peut éventuellement récupérer... D'ailleurs, je viens de faire gaffe, il y avait des rochers blancs et des rochers noirs. Ah, c'est eux qui donnent les petits cailloux, là. D'accord. Il y avait deux petites choses que j'avais envie de voir. On avait vu un toit au loin. Faudrait que je plante aussi des trucs comme ça, là. Je sais pas si je peux les replanter directement. Je suis en train de découvrir qu'il y a une échelle, en fait. Depuis le début, il y a une échelle. Et je ne l'avais jamais vue, parce qu'à tous les coups, je suis passé ici à chaque fois qu'il faisait nuit. On va aller livrer ceci à tous nos petits camarades. Et là, je vous avoue que je ne sais pas si on est en train de se rapprocher de la nuit ou s'il va commencer à faire jour sous peu. Aïe. Ah non, c'est une plante, j'ai cru qu'il y avait un... J'ai cru qu'il y avait un feu. Il y en a un là. Bouger, je peux. Picotement et fourmillement ont disparu. Qu'as-tu fait, humain? Un remède. Qu'est-ce qu'un remède? En fait, peu importe. Le plus brillant des archers, je ne suis pas. À comprendre, jamais je n'arriverai. Maintenant que les picotements ont disparu, beaucoup mieux je me sens. Cette drôle de graine, je vais te donner. Ah, merci, monsieur. Dis-moi, humain, un archer vert en train de pêcher dans le coin, aurais-tu vu? Jamais sa part de travail il ne fait. Toujours pour pêcher, discrètement il se défile. D'habitude, rapidement nous le trouvons, mais à nous échapper depuis quelque temps, il a réussi. Très doué pour se cacher et il est récemment devenu. Bah oui, c'est parce que peut-être que je l'ai aidé, mais chut, t'as rien entendu. Hein. Oh, coup de bol, il fait nuit, on va rien voir à nouveau. Faut que je trouve les suivants en plus. Ça me rappelle que je n'ai même pas regardé si on avait la carte du monde ou pas. Il y en a un quelque part par là, il me semble. Oh, mais laisse-moi tranquille, toi. On voit tellement rien. Lâche-moi. Vous le voyez, vous, le truc? Oh, encore une de ces bestioles. Apparemment, c'est pas par là. Il me semblait qu'elle était juste après le lac. Ah, est-ce que c'est ça que je vois? Oui, c'est ça qu'il me faut. Ouh, j'ai eu la chance de faire un dernier coup critique. Ça m'a permis d'éliminer plus vite. Tiens. Oui, 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 oui. Parti la douleur. Bougez, je peux à nouveau. Cette chose que tu m'as donnée, quelque chose de médicinal était-ce? Quelque chose de curatif. Incroyable pour moi, un humain a créé une pastille de stimulation. Une belle âme tuée. Dommage que tu ne sois qu'un humain et pas un archer. Te remercier, je dois. Tiens, prends ça. Très utile, cela te sera. Écoute-moi attentivement, humain. Un secret, je vais te révéler. Ces pierres de jet que je t'ai offertes, quand tu les jettes, de nombreuses plantes et fleurs, tu peux détruire. Un archer mal intentionné et qui cherche à te tromper, tu crois que je suis? Alors les essayer par toi-même, tu devrais. À présent, va-t'en. Si leur dragon me voit aider un humain, il me détruira. Entre nous, ce secret doit rester, quoi qu'il arrive, ne le dis jamais à Lord Dragon. D'accord. Lord Dragon, est-ce qu'il y a un truc au-dessus là? Non, je vois rien. On s'en va. J'ai failli me retaper les dégâts de chute. Pour le plaisir.
Faites qu'il fasse jour et vite. Bon, apparemment, c'est là-haut le suivant. Je suis plus là, au revoir les gars. Cessez les picotements. Oh, humain, au remède que tu m'as donné, est-ce dû? Humain et bienveillant, tu es inattendu, cela est. Nos dettes, nous, archers, nous payons. Prends ceci en remerciement. Attention, furibombix humain, s'il te pique, de nombreuses fourmillements et picotements tu ressentiras. Depuis que ces mondes sont arrivés par des paralysis, notre habitat est infesté. Raisonner les furibombix, c'est impossible. Uniquement en sortie et gigoter, ils font. Des voisins problématiques, ils sont. Un énorme désagrément, ils représentent. Peut-être te trouver un nouveau lieu de vie, pour moi, il est temps. Ah, mais il y en a deux en plus. Fais pas assez attention. Attends, 30 secondes. Non, c'est dans équipement. Il va faire jour. Je sais pas trop ce que j'ai ramassé. Non, toi tu t'en vas. Ah mais ça, c'est des petits œufs. J'essaie de retourner voir ce que j'avais vu. Là, je voulais quand même récupérer ça. Je crois que c'est de la fougère. Ça peut toujours être intéressant. Aïe. Par contre, j'ai pas fait gaffe. Ça enlève de la vie. Non, ça enlève pas de vie. Ça fait que me paralyser. Ce qui est déjà pas mal. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Je ne sais pas du tout comment il m'a fait pour me rater celui-ci, mais c'est arrivé. Donc on va laisser courir. Qu'il y a quelque chose qui me suivait, mais apparemment pour l'instant ce n'est pas le cas. Je ne vois aucune habitation. Ah, s'il y a quelque chose ici, attendez. Oula, oula, d'accord. Non, non, non. Ils sont partout. Ouh, je l'ai presque éliminé là les deux. Donc eux ils donnent quoi? Griffes de confusion. Qu'avons-nous ici? Aucun truc à lire apparemment, rien à voir, d'accord. Ok, ils ont pas tous des trucs de confusion, enfin pas des trucs de confusion aussi, bah si c'est des trucs de confusion je crois, non? Heureusement que ça ne dure pas très longtemps ce truc là. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir là-bas? Parce que j'aimerais bien récupérer du métal si possible, mais ça se trouve c'est seulement quand j'aurai ouvert la deuxième île. Ça redonne 30% ça, d'accord. Oula, il y a une sacrée bâtisse ici, on va aller voir. Aïe, quelle quiche.
J'ai l'impression d'entendre les clapotements de l'eau derrière moi, à chaque fois. Ouh! Faudrait que je les récupère, ça crache des flammes celle-là ou pas? Non. Ouais si, elle crache des flammes, parfait. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ces saletés de chiens, lycanthropes! C'est notre territoire, personne ne nous le prendra! Ils plieront tous devant la botte super secrète de notre maître de grise, lycanthrope, le casse-dentier. Graouaglia! Nous devons nous entraîner et nous voulons gloups, vaincre les chiens lycanthropes! Laissez-moi poursuivre mon entraînement tranquille. Ils ont changé sa voix. Que sais-tu, humain? Viens-tu voir notre maître? Il ne veut pas avoir affaire à l'échamblable, gros de gage. Humain, connais-tu le condor infernal? Il a rejoint les leurs troupes de leur dragon il y a peu, mais il se croit le chef de tout Rémuldar. Il doute rien, si ça va-t-il. Si j'imagine qu'on va avoir les chats sans rien dire, il se met la plume dans l'œil jusqu'au cou. Le maître Grizzly Cantrop, et toutes les jauges sont aux côtés de leur dragon depuis le début. J'ai pas le temps de la fin. C'est un humain, que fais-tu ici? Le chien lycanthrope est envahi notre territoire. Quand nous entraînons jour et nuit, pour le vaincre. Je suis le disciple numéro 1 du grand maître Grizzly lycanthrope. Je suis un gentil loup. Notre maître est un grand guerrier. Ne l'énerve pas ou il réservera un chien de sa chaîne. Te réservera un chien de sa chaîne. Je connais pas l'expression. Fais preuve d'humilité devant notre maître. Je crois qu'il y a un truc particulier. T'es grand, toi? Un humain, un louveteau humain. Tu ne dois pas être n'importe qui pour avoir vaincu le terrible folicanthrope que tu as croisé sur ton chemin. Je sens que tu n'es pas un humain ordinaire. Mais à ce jappé, qu'est-ce qui t'amène dans mon dojo? Waouh, rien du tout, tu te promenais. Moi, tu ne plaisantes pas, je t'aime bien, je t'aime vraiment bien, petite main. Je suis un gris lycanthrope. Il n'y a pas plus fort que moi, je suis le chef de la meute des folicanthropes. Malheureusement, les folicanthropes d'ici sont en guerre. Les folicanthropes bleus, les chiens lycanthropes rouges sont désormais des ennemis mortels. Ces sales chiens lycanthropes pensent qu'ils ont le droit de prendre notre territoire. Mais on va leur montrer de quel bon choix on s'entraîne jour et nuit dans ce maison. Mais toi, humain, que fais-tu sur cette île à part te promener? Comment? Tu cherches des malades et des matériaux pour fabriquer des remèdes pour les sauver? Alors, ça veut dire que tu peux fabriquer des remèdes au monde? C'est fantastique. Puisque tu fais pour tes amis, tu peux peut-être nous aider aussi. Nous avons besoin de remèdes pour guérir de la confusion. Nous savons comment le fabriquer, mais pour des raisons trop longues à expliquer, nous ne pouvons pas le créer. Je t'apprends la recette et tu la fabriques pour nous. Bien sûr, tout travail mérite sa l'heure. Tu peux compter sur moi. Une dose pour des déconfuses. Des effets de la confusion, d'accord. Bon, on sait quoi faire. Ça va, ils sont quand même bien installés ici. Faut que je fasse gaffe à ces trucs. Et si jamais un jour je peux les péter, je les récupérerai. Par contre, pour remonter jusqu'à là-haut, je doute que ce soit la même. Voilà, on y est. Chut, il y a quelque chose par là-bas, je vois un truc au loin. Ça continue ou...
Non, apparemment c'est notre île et il y a des choses intéressantes là-bas. Ah bah j'imagine qu'on va arriver dans ce truc en dessous, ou alors c'est notre maison à découvrir. Et on a du sable, ça nous permettra de faire des vitres, vitres que nous avons déjà récupérées d'ailleurs. Ok, donc ça je vois où on était, et la maison elle doit être pas là, à moins que ce soit... Non, j'ai vu un toit là-bas. Je suis sûr d'avoir vu un toit dans le coin. Pendant quelques secondes je me suis dit que c'était celui-ci, mais en fait non, c'est plus loin encore. Là, voilà. Tout ceci m'a l'air un peu haut quand même. Par où est-ce qu'on entre là-dedans? Ça m'a tout l'air un sacré manoir. On va les baquer. Alors, examiner. Quelque chose est écrit sur ce panneau, mais le temps l'a rendu illisible. Cette maison doit avoir été construite il y a très longtemps. Là, il manque des échelles. Ouh, j'ai l'impression que tout le monde est un peu mort par ici, non? C'est quoi ça? C'est une petite cheminée, un petit four? C'est joli. Un lavabo. Un lit, mais y a personne ici. Faudrait quand même que j'essaie d'aller sur le toit. Ah, il y a un balcon. Okay, donc c'était pour aller sur le balcon. Et là, on a quoi? Ah du coup je vois rien, attendez, on a quelque chose aussi par là-bas. Je suis où moi? Ça mène où ça? Oh un coffre! Un morceau de papier déchiré est posé au fond du coffre. Hélas, trois fois hélas, alors qu'il s'agissait de ma dernière tâche, il semblerait que je ne sois plus en mesure de réparer ce toit abîmé. Celui qui fait appel à mes services a succombé à la maladie il y a de cela des lunes, et je crains de subir le même sort dans peu de temps. Bien que réparer le toit de cette maison ne me sauvera pas de ce qui m'attend, laisser un travail inachevé entache mon honneur d'artisan. Oh malheur, si seulement j'avais pu terminer cette ultime tâche. À qui lira ce message? Si vous vouliez bien avoir la gentillesse de réparer ce toit et de terminer ma dernière tâche, je vous en serai éternellement reconnaissant. Alors attendez. On a deux toits en tuiles. Qu'on va échanger bien sûr avec un des trucs qui est ici. Alors j'imagine que c'est ces deux éléments qui manquent. Puisqu'il nous donne déjà le contenu, on va pas se casser la tête. Hein. Ensuite. Voilà. Là, c'est deux trucs. Ok, je crois comprendre. Objet. Échanger. Avec le coton, tiens. Et échanger avec le bois. Que de toute façon on n'utilise pas vraiment. Et mince. Non, casse pas tout s'il te plaît. Juste ça, merci. Mais pourquoi ça le pose en mauvais sens? Ça y est.
Non. Ah, c'est pas malin. Si en plus ça tombe, je vais avoir l'air bête. Ça y est. Là, il n'y en a qu'un seul en intérieur, apparemment. Mais je trouve quand même le moyen de mal le placer. Non. Ouh là là. Non, c'est bon. Ça y est, je l'ai mis dans le bon sens. Là, c'est bon aussi. Ok, ça c'est fait. Et le dernier. Parfait, on l'a. C'est quoi ça du coup? Un morceau de papier déchiré est posé au fond du coffre. Vous qui lisez ce message, je vous remercie, vous avez achevé ma dernière tâche et permis à mon âme de reposer en paix. De mon vivant, je n'étais qu'un humble et pauvre artisan. Je ne peux vous offrir ni or, ni autre richesse, seulement ce rasoir. Ce savoir, pardon, ce rasoir. Truc qui sert à rien. Puisse-t-il vous abriter les orages? Ah bon, on a appris à faire les toits en tuiles. Les toits inclinés. L'angle extérieur. Sûrement l'angle intérieur après, voilà. Et c'est fini. Je crois que je vais pas m'embêter, je vais aller récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Je regarde vite ce qu'il y a autour, non c'est bon. Non! Quelle quiche. Oh le sol! Attends, le sol, est-ce qu'on a déjà dit comme ça? Non, c'est du tapis rouge. Tapis chic. Pardon, j'ai écouté parce que j'ai cru entendre beaucoup de bruit dehors. Pardon, vous n'avez rien à faire ici, vous. Vous n'avez rien dans le coffre. Bloc de parquet. Revêtement de parquet. Ok. Y a-t-il d'autres choses à récupérer ici? Non. Ah, ça n'a pas ramassé la bourse. J'aimerais bien aussi essayer de récupérer des fenêtres. Voilà, fenêtre abritée. Porte-serviette. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Il va vraiment falloir que je me fasse un nouveau maillet parce que j'ai pas grand chose là. J'ai récupéré ma première commode, nickel. Bon, maintenant qu'on a fait ça, je crois qu'on peut rentrer directement à la maison. Tabouret de bois. Et pour cela, on va pas se casser la tête, on va aller ici. Il y a peur d'avoir grand chose au-dessus. Et on va utiliser ça. Bon, rappelons-nous, on a une mission à accomplir. Est-ce que les gens vont mieux, là? Non, il faut que j'utilise un truc de paralysé. Ils vont tous se relever d'un coup, en fait. Jacob est totalement guéri, donc il leur faut tous du repos. Et Manon devrait être contente. Voilà.
La déesse soit louée, Iti, nos malades sont sur la voie de la guérison. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour eux. Malheureusement, je ne parviens pas à me tranquilliser. Nous avons beau leur avoir donné les remèdes nécessaires et les avoir nourris, nombre de nos patients souffrent encore. En se reposant, ils devraient retrouver leur force. Mais si le fléau n'est pas la seule maladie qui les frappe, Iti, mon agneau, j'ai surpris certains de ces malheureux murmurer le nom d'un certain Gonzague dans leur sommeil. C'était autrefois un élève de Géronte. Aurait-il quelque chose à voir avec tout cela ? Que Rubis me pardonne, je ne devrais pas te faire part de perdre ton temps avec ces hypothèses ridicules. Pour l'instant, tu as fait tout ton possible. Pour nos pauvres patients, du fond du cœur, merci, Iti. Oh, j'allais oublier. Il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu construises pour moi, et je t'ai dessiné un plan. Comme tu le sais, la propreté est une vertu que la déesse apprécie tout particulièrement. C'est logique que tout le monde tombe malade avec des vêtements aussi sales. C'est pour cela que nous devons en fabriquer de nouveaux. Ce serait fantastique si tu pouvais trouver le temps de me construire cette pièce, mon agneau. Plan de mercerie. Bon, on va aller voir ça, du coup. Si on peut la construire là, on va pas se gêner. Ça, j'aimerais bien essayer de les poser, tiens. Ouais, je suis pas sûr que ça change grand chose, mais je trouve ça joli. Ensuite. Voilà. Et il me faut le plan qu'elle m'a donné, la dame. Est-ce qu'il y aura assez de place ici ? Oh. Je crois que je vais tenter un truc. De toute façon, actuellement, cette pièce ne sert à rien. Puisque je sais pas comment on peut la créer. Voilà, pardon mon ami. Voilà, comme ça on va faire ainsi. Voilà, voyons voir un peu les murs. Il faut le métier à tisser. D'accord. Un feu de camp et deux tabourets. Ah non, il faut aussi... Non, c'est bon, j'ai compris. Bon ben, c'est parti, écoutez. Non. Alors je retourne chercher de la terre, je crois que j'en avais dans le coffre là-bas. Ici. Je pense pas qu'ils aient mis des choses dans les coffres en fait. Ah mais ces coffres là on peut rien stocker dedans, ils sont juste là pour faire joli. Dommage. Décorateur déterminé, pourquoi ? Quel est ce succès ? Il me faut une autre porte, un feu de camp, je crois. J'aurais peut-être dû vérifier avant s'ils m'ont rien construit. Il me tape vraiment sur le système, ce Géronte. Quel vieux schnock, Harry Carter. Quoi qu'on lui dise, il trouve toujours une réponse déprimante. Je suis désolé. Voilà, j'avais un cheveu qui me gênait. Il trouve toujours une réponse déprimante ou part dans une de ses leçons de morale à la rallonge. Mon grand-père a été emporté par le fléau quand j'étais petite, mais je me souviens que c'était l'exact opposé de Géronte. Il sifflotait toujours un air joyeux et racontait à qui voulait l'entendre qu'il rêvait de monter un jour son propre salon de puff-puff en ville. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un salon de puff-puff, mais un de ces jours, je monterai le mien et je réaliserai le vœu de mon grand-père. Ah, ils ont construit des fenêtres, un coffre.
Alors, voyons voir ça. On avait dit un feu de camp. Une porte de passe. Je crois pas que je puisse les construire encore en autrement. Ok. Et deux tabourets. C'est parti mon kiki. Il est là. Je l'ai pas posé en bon sens malheureusement. Voilà. Et le feu de camp, on va être bon. Et voilà notre premier atelier de tailleur, un lieu taillé sur mesure, afin de créer des tenues originales pour vos amis. Tout le monde est content, c'est bon ? Ouais, ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon là. Ouh, joli. Nos patients ont reçu les remèdes nécessaires. Alors c'est un vieux... Oh, nos patients ont reçu les remèdes nécessaires et ont mangé à leur faim. Mais certains d'entre eux sont aussi malades que le jour de leur arrivée. Je crains que leur maladie n'ait d'autre cause. Il nous faut percer ce mystère. Cela nous prendra certainement du temps, Haïti. Pendant que je me consacre à mes recherches, tu devras en trouver... En profiter pour t'atteler à la reconstruction de la ville. Les attaques des monstres se font plus fréquentes ces derniers temps. Nous devons renforcer nos défenses. Je ne sais pas comment tu comptes t'y prendre, jeune homme, mais tu dois mettre tes pouvoirs de bâtisseur en service de cette ville et la faire passer au niveau supérieur. Oh, Haïti, quel travail formidable tu as réalisé. Malheureusement, je suis regret de te dire que je ne connais toujours pas l'origine du mal qui touche nos patients. Comment ça? Il murmure le nom de Gonzague, c'est ça? Désolé, mais je n'ai rien entendu de tel, il ne parle pas beaucoup devant moi. Toujours est-il que nous n'avons d'autre choix que de laisser ces patients en observation. Continuons à nous répartir les tâches ainsi. Tu te charges des monstres pendant que je redouble d'efforts pour trouver un remède à cette horrible maladie. Je suis en train de m'écorcher la gorge. Ça, je prends, monsieur. Voilà. Là, il me dit qu'il va y avoir des attaques. J'ai envie d'amuser un petit peu quand même. On va se faire... Ah, je peux plus? Il faut du parquet d'abord, d'accord. Je peux en faire combien en fait, au maximum? C'est parce que j'ai plus de bois? Ouais, j'ai plus de bois. Revêtement en parquet. J'aurais pas dû faire ça en fait. Parce que j'en avais pas besoin de temps. Attendez, il y a un truc qui nous attaque là. Et j'ai cassé la porte du coup. Ils nous ont mais vraiment démonté. Mais...
Mais il va se calmer, lui? Non. Vraiment, il va falloir que je fasse mieux à ce niveau-là, que je mette des protections et tout, parce que là... Je vais essayer de ranger certaines choses. Ranger. Voilà. Oh, c'est fatigant là, toutes ces bestioles. Voilà, ensuite. C'est tout ce qu'ils avaient fait comme dégâts. Enfin, c'est déjà bien assez, je trouve, mais quand même. Et c'était un loup qui avait fait ces problèmes-là. Donc j'étais en train de mettre du parquet, moi. Il est parti parce qu'il va faire jour? Non. Il y en a encore un qui m'a vu. On passe tellement de temps à leur taper dessus à ceux-là, c'est tellement désagréable. J'en ai plus. Voilà, comme ça au moins on a du vrai parquet, ça va être un peu plus joli. Ah, il y en a un qui s'est réveillé, ça y est. Attends, j'arrive l'ami. Je finis de mettre du parquet partout et je suis à toi. Mince, j'aurais dû attendre que ça se ferme parce que du coup ça met du parquet dehors. C'est beau ça. Voilà. Par contre, je préférais mettre de la pierre dans le bâtiment. Ouais, si je suis trop près des bords, ça transforme quand même les autres sols. C'est pas grave, donc ça c'est fait. Donc je vais ranger ça dans un coin. On va ensuite casser les arbres. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais replanter l'arbre que j'avais fait tomber. Et ensuite, on va accueillir le petit nouveau. Mince. Qu'en fait, vous savez quoi? Faudrait que j'en plante d'autres à un moment donné de ces trucs-là. Surtout que je peux les poser les uns à côté des autres. Je sais pas s'ils poussent moins bien ou pas. Ah, j'en ai plus. Est-ce qu'ils m'ont fait à manger ou pas?
Voilà, et moi, est-ce que je peux essayer de faire des choses? Corde. Ah, maillet géant. Épée large de fer, massue de chêne. Hache de pierre. Bouclier de cuir. Ok. Ah, mais qu'est-ce que je fabrique, moi? Voilà. Équipement. Donc, il n'y a peut-être pas de maillet plus solide, en fait. Et pour terminer cette vidéo, on va accueillir ce monsieur. Jacob. Piou, je me sens super bien. Merci mille fois de m'avoir sauvé. Je n'avais encore jamais entendu dire qu'on pouvait combattre le fléau. Tu es vraiment un personnage, tu sais. Si tu peux aider mon ami, mon meilleur ami Zach à aller mieux, je serai plus heureux qu'un gluant dans une flaque de gadou. Malgré tout, c'est bizarre qu'il faille beaucoup plus de temps à ses patients qu'à moi pour se remettre. Tu crois qu'il pourrait avoir contracté une souche différente du virus? C'est vrai, regarde comment ça les démange. Ils se grattent tellement fort qu'ils sont couverts de croûtes et de plaies de la tête aux pieds. Ça fait vraiment peur sans rire. J'espère que tu trouveras un moyen de les soigner, comme tu l'as fait pour moi. À ce propos, encore merci, je n'ai pas grand chose à t'offrir en retour, mais tiens, prends ça. Manon est quelqu'un de vraiment adorable, tu ne te trouves pas? Chaque jour, à toute heure, elle est dans cette salle de repos et s'occupe de ses patients. Elle ne les quitte jamais. Si je devais me marier un jour, j'aimerais que ce soit avec une femme comme elle. Quoique, avoir quelqu'un à mes petits soins en permanence, ce serait peut-être un peu trop. Toi-même, tu es un type assez spécial, Iti, toujours à travailler dur pour bâtir une chose ou une autre pour la ville. Je parie que si tu avais un atelier digne de ce nom, avec une enseigne accrochée au mur et un éclairage un peu chic, tu pourrais fabriquer bien plus de choses. Faites comme quoi ça vaut le coup de parler avec eux, je pense. Hein. Je vais aller ranger ça. Parce que là, pour l'instant, les éclairages un peu chics, on peut pas faire mieux, j'ai l'impression. Par contre, ce que je veux faire, c'est mur de bois. Mais qu'est-ce qui me manque? Il me manque du bois. Donc d'abord, faut que j'en fasse. Je pouvais faire que 26 morceaux, dis donc, c'est pas beaucoup. On va essayer de faire comme ça. Parfait. Ce sera un peu plus joli, non? Par contre, c'est embêtant que ça transforme certains blocs en... Voilà. Forcément, ça va faire des trucs bizarres, mais c'est pas grave. Ce sera déjà bien plus joli que ce qu'on avait avant. Puis si jamais ça nous embête, on transformera les murs. J'ai plus besoin de le garder. Voilà. Ça par contre c'est pas cool là. Les blocs de bois qui sont transformés sur le côté. C'est pas grave, on les changera à un moment donné s'il le faut. Comme quoi il suffit pas grand chose hein, pour tout changer dans le décor.
Comment ça change? On est presque au niveau 5. Je sais pas si c'est le maximum, mais... Et voilà. Je crois que j'ai bien fait le tour. C'est quand même bien plus agréable. Il nous restera plus qu'à avoir des bolis et tout. Ranger. Ranger. Il fallait que je fasse quoi comme mission maintenant? Ah oui, il y a un combat. D'abord, il y a un combat. Ah oui, j'avais promis que je fabriquais un remède pour les autres, là-bas. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstage.fr ou sur mon blog it103.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut!